Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux tours de cartes. Regardez. Deux tours de cartes qui m'ont été envoyées par Cédric Angeau. Cédric Angeau, c'est un magicien qui écrit régulièrement sur la chaîne, qui a une école de magie d'ailleurs, qui s'appelle Animagique, et qui m'a proposé donc des tours. Et j'ai extrait de tous les tours qu'il m'a envoyé deux tours de cartes qui seront pour vous deux merveilles. Regardez, c'est très simple à faire. Vous invitez un ami à venir couper votre jeu, plus de la moitié des cartes, hein, qu'il doit retourner face en l'air, comme ceci. Ensuite, il prend la moitié de ses cartes qui sont face en l'air et retourne le paquet juste à côté. Vous avez donc trois paquets. Vous allez rassembler les cartes comme ceci. Voilà. Donc il y a des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Regardez, face en l'air et face en bas. Vous allez retirer que les cartes qui sont face en bas. Et vous allez faire 4 paquets, comme ceci. Voilà. Comme cela. Et ensuite, il y a le petit miracle. Regardez bien, petite passe magique. Hop, ce sont les 4 as. Et ce n'est pas tout. Regardez, si je retourne, eh bien j'ai maintenant les 4 rois. Comme ceci. Voilà. Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite comment réaliser ce beau tour. Avant de présenter le tour, vous allez tout simplement prendre les 4 as, regardez bien, et les mettre sous le paquet, face en l'air. Attention, c'est important. Hein. Face en l'air. Voilà. Et au-dessus, les 4 rois qui sont, voilà, retournés face en bas. Votre préparation est terminée. Alors, l'explication pour réaliser le tour, c'est automatique. Hein. Vous demandez à un ami de couper plus de la moitié des cartes, voilà, comme ceci, et de retourner ses paquets face en l'air. Ensuite, une moitié de ces cartes est de nouveau coupée et reposée face en bas. Maintenant, vous allez simplement assembler les cartes de gauche à droite pour reformer un paquet. Vous reprenez l'ensemble des cartes qui se trouvent à votre gauche, c'est le paquet avec les 4 as, hein, bien sûr, que vous mettez sur la partie qui est face en l'air. Et sur le tout, vous allez poser l'autre partie pour reformer le paquet, tout simplement. Et vous dites à vos amis, il y a des cartes face en l'air et face en bas. Vous retournez le paquet dans l'autre sens, vous dites, il y a des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Bien sûr, vous allez extraire maintenant de ce paquet qui est face en l'air, retirer ces cartes, vous n'allez prendre que les cartes face en bas. Et automatiquement, regardez bien, les 4 cartes qui sont au-dessus, ce sont les 4 rois, c'est automatique, seront sur la table. Et automatiquement, les 4 as qui sont en dessous viendront au-dessus de chaque paquet. C'est automatique. Comme cela. Voilà. Petite passe magique, soulevez les cartes du dessus, ce sont les 4 as. Pour vos amis, le tour est terminé, il est spectaculaire, hein. Vous dites ce n'est pas terminé, et là vous retournez chaque paquet et vous dites et dessous il y a les 4 rois. Le deuxième tour que je vous propose est le suivant. Donc vous coupez votre jeu et vous dites à votre public, je vais extraire de ce paquet une carte. Alors, je ne vais pas vous la montrer immédiatement. Je vais retirer cette carte. La voici. Maintenant, je demande à l'un d'entre vous de couper le jeu en deux. Ce qu'il fait, vous saisissez ce paquet et vous allez poser une carte sur le paquet, une carte face en l'air, une carte sur le paquet et ainsi de suite, comme cela. Voilà, vous saisissez ces cartes qui sont face en l'air, vous les retournez et vous reposez une carte face sur le paquet et ainsi de suite. Cela jusqu'à temps qu'il ne me reste plus qu'une seule carte. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, une seule carte face en l'air, c'est le valet de trèfle. Incroyable, sa carte jumelle, le valet de pique. L'explication du tour est la suivante. Vous allez tout simplement retenir la 16e carte à partir du dessus du paquet.
Regardez bien, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc c'est le 5 de carreau. Assurez-vous qu'il n'y a pas le 5 de cœur, la carte jumelle, parmi ces 16 cartes. Hein. Sinon, vous prenez le 5 de cœur, vous le remettez ici et puis vous mettez une autre carte. Donc, impérativement connaître la 16e carte qui se trouve à partir du dessus du jeu. Voilà, tout simplement. 5 de carreau. Donc sa carte jumelle sera le 5 de cœur. Vous dites à un ami de venir et de couper le jeu en deux. Vous pouvez aussi faire une fausse coupe avant de présenter le tour. Faire croire à vos amis que vous mélangez le jeu, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire pour brouiller les pistes et faire croire que, effectivement, le jeu a été coupé et donc les cartes mélangées. Il existe un tas de méthodes, hein, vous pouvez aller voir ce lien. Alors, la plus facile, c'est toujours celle-ci. Tout en discutant, ne vous attardez pas seconde main, vous saisissez la partie supérieure que vous mettez à gauche, une partie au milieu et une partie à droite. Vous discutez avec votre ami, vous dites, voilà, j'ai coupé le jeu. En réalité, il ne s'est rien passé. Le jeu est intégralement dans le même ordre. Vous dites, je vais extraire une carte de ce paquet. Et en réalité, vous allez extraire tout simplement la carte jumelle du 5 de carreau qui se trouve en 16e position à partir du dessus du jeu. Donc, vous saisissez ce 5 de cœur, vous le posez sur la table. Pour vos amis, vous avez pris une carte au hasard. Saisissez le jeu face en bas et posez-le sur la table. Vous demandez à quelqu'un de couper le jeu en deux, où il le souhaite. Vous reprenez ce paquet de cartes et vous allez faire la chose suivante. Sur les cartes supérieures, vous mettez une carte sur le paquet qui se trouve sur la table et une carte face en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Quand c'est terminé, vous reprenez ce paquet, vous le retournez face en bas et vous recommencez. Une carte face en bas, une carte face en l'air et ainsi de suite. Vous recommencez une troisième fois, retournez le paquet. Vous reprenez cet ensemble, vous le retournez face en bas, une carte sur le paquet. Et il restera une carte face en l'air, ce sera forcément la carte jumelle de l'autre carte. Voilà, c'est automatique. Ces deux tours qui ont été proposés par Cédric Anjou, je le remercie encore une fois, ont été proposés pour vous et rien que pour vous, deux tours automatiques. Si les deux tours vous ont plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce face en l'air. Et puis, nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et de cliquer sur la cloche. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Allez, au revoir, bye bye, à bientôt. Merci.